question pour Alain Mabankou, si vous voulez en parler, mais sinon, sur le concours. Il n'y a pas de problème. Disons que c'est très lourd de dire que je suis en guerre contre... Je pense pas, oui. Je pense que c'est, je ne suis pas en guerre contre eux, mais ils sont peut-être un peu apeurés par le fait que, malgré tout ce qu'ils ont fait pour que la liberté d'expression soit verrouillée au Congo, je suis comme celui qui, lorsque la nuit tombe, les jeunes Congolais m'envoient les messages que je dois aller dire à la presse internationale pour décrire avec une précision extrême leur détresse. Le dictateur, ce qui lui fait peur, ce ne sont pas les armes ou tout ce que c'est la liberté que vous avez de parler et la capacité que vous avez à ne pas être acheté par leur portefeuille qui est très lourd, tout simplement parce qu'ils ont volé tout ce que le peuple a. Donc, sachant qu'ils peuvent envoyer des mallettes de milliards qu'ils ne peuvent pas m'acheter, parce que j'ai une indépendance, je ne suis pas payé par le Congo, je ne suis pas payé par la France, je suis payé par un autre pays qui ne parle même pas le français, les États-Unis, où je suis fonctionnaire à l'État de Californie, c'est-à-dire fonctionnaire comme ici. Hein. On ne peut pas me virer, sauf si j'ai fait un crime contre l'humanité quelque part. Donc, dans ce sens... Finalement, tu n'es pas si libre avant que ça. Avant que tu es quand même fonctionnaire. Voilà. Ah non, attends, attention. La liberté qu'on a, c'est-à-dire que... Ne pensez pas que les universités américaines, c'est comme les universités en France où ça dépend directement du ministère de l'Éducation qui dirige. L'université est autonome, démocrate. Même quand on veut embaucher, Marie Condé est là puisque nous avons tous été là-bas. Elle nous a précédé, elle a ouvert la voie avec les Édouard Glissant. C'est-à-dire que quand vous embauchez par exemple un professeur, ce n'est pas quelqu'un du ministère de l'Éducation qui arrive avec un parent qui n'a pas pu caser aux impôts en disant que celui-là doit aller enseigner. Non, les professeurs se réunissent, vous savez, on dit on ouvre le poste à tout le monde et on vote démocratiquement. Chacun chargé de faire un rapport. Donc la pratique de la démocratie, elle est là. Du fait que si le dictateur sent qu'il ne peut pas vous acheter, que la liberté d'expression est là, vous devenez la ligne de mire. C'est ce qui expliquait l'interdiction qu'ils m'avaient collée de rentrer au Congo. Parce qu'ils savent que si je rentre, il suffit que je dise aux petits, bon, écoutez les jeunes, j'ai un petit meeting pour vous parler de ce qui se passe dans le monde. Il me faudra deux stades, parce qu'ils le savent. Parce qu'il y aura quelque chose. Donc, on empêche finalement la rencontre du grand frère avec ses petits frères ou de ses petites sœurs, on empêche cette rencontre. Et si je vais là-bas, je serai taxé de troubles à l'ordre public, parce qu'ils l'ont déjà fait avec les autres. Mais malheureusement, il est de plus en plus difficile de bâillonner cette vérité, parce que s'ils le font, il y a toujours D'Alembert qui va s'énerver, Mbougard qui va dire « c'est mon grand frère », Hubert Haddad qui va dire « mais il m'a promis un texte à appuyer, vous allez le mettre en prison, il n'a fini hein, ». Ben, l'autorité morale Maryse Condé va sortir du haut de son Nobel pour dire « attendez, laissez mon petit neveu, donc je vais sortir ». Donc je suis fier d'appartenir à une famille de gens libres, d'écrivains de talent, des gens qui écrivent des livres que j'aime, parce que je sais que même lorsqu'on me défend de rentrer dans mon pays, eh ben je rentre à travers les livres de D'Alembert en Haïti, je rentre aussi à travers les livres de Mbougar du côté du Sénégal, je vais chez Yaya Belaskri, d'ailleurs on y va, son neveu est un personnage dans mon livre « Demain j'aurai 20 ans ». Quand j'écris, quand je parle, je ne parle plus que du Congo. Je suis dans le rêve d'une Afrique globale, d'une Afrique qui cherche des solutions ensemble. Libérer le Congo seulement ne résoudra pas tous les problèmes, puisqu'à côté, il y a Biya qui se trouve là. De l'autre côté, vous allez, il y a du côté des Kabila, etc. Nous avons un problème du bassin du Congo qui reste aujourd'hui le cœur des ténèbres de la démocratie en Afrique et même des dictatures. C'est le seul endroit. Et comme par hasard, c'est l'espace francophone qui aujourd'hui couvre encore les plus grandes dictatures qui existent. Alors, vous voulez me dire quelque chose ? Moi, ce n'est pas une question que je pose, en fait. Je suis venue de Paris exprès pour rencontrer... Maryse Condé. C'est pour répondre à votre question, justement, je crois. C'est pour dire à Maryse Condé qu'elle a changé ma vie.
avec son œuvre, pour moi qui n'est pas un livre, c'est le livre, Ses goûts. Ah. En fait, nous, on a grandi sans savoir qui on était. Parce que moi, je suis des années juste après l'indépendance au Congo, quand Lumumba commence. Lumumba, moi, c'est moi qui ai offert à Lumumba des fleurs quand il est arrivé au Kivu, parce que mon père avait organisé justement son arrivée. Mais on ne savait pas qui on était, parce que juste après, il y a eu le Belge qui est arrivé. Et nous, le Belge, c'était l'exemple. On devait ressembler aux colons, on devait parler comme lui, on lisait que ces livres-là. On n'était pas intéressé aux livres. Moi, je me rappelle tout ce qui est négritude, tout ce qui était. En fait, j'ai lu peut-être l'aventure ambiguë qui m'a parlé. J'ai lu L'enfant noir. J'ai lu Les longues lettres. Mais comme ça, nous, on lisait des livres des blancs parce qu'on devait être comme eux. C'était ça la réussite. Et puis tout d'un coup, la vie continue. On fait des études. On arrive en Europe. On ne comprend plus rien. Et là, on est occupé à élever ses enfants, on a tous les problèmes. Et puis, moi, je dépose un livre dans les mains de mon enfant qui commence à lire. Et c'est elle qui m'a ramenée vers l'Afrique, parce que je lui parlais toujours de l'Afrique. Parce que je peux vous dire qu'on vit ici, mais l'amour de l'Afrique est tel que c'est comme un enfant qu'on porte en soi. On ne peut même pas l'expliquer. Même si on y souffre, c'est un amour qu'on a en permanence. Et on ne comprend d'ailleurs pas souvent pourquoi on est à l'étranger. Et moi, ma fille, je lui parlais de l'Afrique, et c'est ma fille qui m'a invitée pour voir Maryse Condé, qui m'a appris, qui m'a apporté le livre Ses goûts, parce qu'elle connaissait mon histoire que je lui racontais. Parce que nous sommes les enfants des arabisés. Moi, mes parents, l'islam a transité par le Maniema, parce que le Maniema, c'est le berceau de l'islam au Congo, le Congo qui est immense. Et nous, ce sont mes ancêtres qui ont inventé le Swahili. Le Swahili qui est parlé, qui est une langue merveilleuse. Et c'était le savoir-être, c'était la façon de communiquer. Tout le monde devait faire partie de ce beau monde-là. Et puis finalement, j'écrivais beaucoup, mais je n'étais pas satisfaite. Parce que je parlais de mon père, je parlais de moi, mais ce n'était pas ça, il y a quelque chose qui manquait. Parce que la personne qui écrit, c'est un penseur, c'est un rêveur, c'est quelqu'un qui a de l'émotion, qui cherche quelque chose qui ne sait pas trop. Et puis j'ai lu ses goûts, et là j'ai vu que tout se passait dans la famille. En fait, cette femme, elle a, je ne sais pas, je voudrais lui dire qu'elle, quand j'ai lu, je me disais, mais comment elle fait pour savoir ce que je ressens? Mes peurs, je les ai trouvées. Le soleil, quand il brûle, en fait, quand il parle des hommes secs, grands, comme un rondier, ce sont mes ancêtres qui étaient comme ça. Et cette femme, en fait, j'ai compris que je devais parler pour commencer, pour répondre à monsieur, je devais parler de la colonisation pour me comprendre. Pour savoir pourquoi j'étais comme j'étais, pour connaître les échecs de mes parents, pour savoir pourquoi nous avons été élevés que par les femmes, parce qu'on a tué, tous les hommes de Maniema. C'était un génocide dont personne ne parle. On a tué les pères, en fait, nous sommes les enfants des femmes. Et en fait, des femmes qui, j'ai aussi lu Empateba en même temps, parce que ma fille toujours m'apportait tous ces livres-là. Et là, j'ai entendu parler des maris cousins. Nous sommes, nos mamans, nos grands-mères, c'était des qui se mariaient entre eux. En fait, c'est une manière de continuer, parce qu'ils sont tellement partis que finalement, ils étaient perdus. Et finalement, quand j'ai lu Maryse Condé, j'ai compris, parce que des fois elle vous emmène loin, mais c'est toujours la même famille qui revient. Et quand vous revenez, tout a changé. Et ce sont les échecs, des familles qui étaient nobles, des familles qui s'aimaient. Et puis finalement, là, je me suis dit, voilà, j'ai trouvé. Et j'ai commencé à écrire à ce moment-là. Merci, merci pour ce magnifique témoignage. Merci. Merci. Bon, Alain me demande de répondre. Je dirai un seul mot, merci. Mais j'ai autre chose à dire à la dame qui a posé une question avant. Bon, je voudrais lui dire, relis
Simone de Beauvoir, elle a dit, on ne doit jamais rencontrer ses lecteurs. Voilà, c'est tout. C'est bon, il y a une question d'une jeune fille. Bonsoir, Madame Marise Condé. Bonsoir tout le monde. Je reprends au nom de Barry Adjeissatou. Je fais la 8e année au groupe scolaire humaniste Kirikou. J'ai 12 ans. Et j'ai des questions bien sûr à poser. Et j'ai aussi un cadeau pour vous. Ah, et un cadeau. Quel cadeau? Ah, viens, apporte-le. Vite. Apporte. Il avait. Oui. Oh. C'est beau. Il est là. Voilà. Bon, alors, que se passe-t-il là? Merci. Ça fait deux fois que je dis merci. Voilà. Voilà. Je peux te les tenir? C'est le Nimba de Guinée, mais dit-on. Voilà. Il y a une question, là, la jeune. Allô, la jeune. Le saviez-vous que Conakry a été capitale mondiale du livre? Et j'aimerais vous demander que la Guinée a vraiment a besoin, les Guinéens ont vraiment besoin d'une ambassadrice comme vous. Et j'espère que, au nom des enfants de Guinée, on vous invitera à venir à une invitation officielle et j'espère que vous l'accepterez. Et merci. De ne pas rien te refuser. Voilà, il y a une question là. Voilà. La fille. Après la mère, c'est la fille, on occupe mère, beaucoup la parole ici. Je ne sais pas si c'est une question, peut-être que c'est un commentaire. En tant que jeune diplômée, enfin ancienne étudiante, je sais que Alain Mabankou notamment et Marise Condé sont professeurs aux États-Unis, notamment par rapport aux littératures africaines, si je ne me trompe. Je voulais vous dire que vous nous manquez en France comme professeur, dans le sens où je pense que peut-être que Monsieur Mbougar-Sarr nous fera l'honneur, mais vous avez cette reconnaissance en France où on vous publie. Mais jamais de venir être nos professeurs dans nos classes quand justement on essaie de s'intéresser à ces sujets-là. On a des professeurs qui peuvent être très bons, mais on vous voit être aux États-Unis beaucoup plus. Les Américains, Nord-Américains se cherchent évidemment, mais peut-être encore moins que nous, parce qu'ils ont ce rapport, ils savent qu'ils sont aux États-Unis à cause de l'esclavage. Ils ont leur Black History Month. Ici, les jeunes étudiants de la diaspora, très volontaires, qui veulent parfois retourner dans une Afrique qu'ils n'ont jamais vue, qu'ils ne connaissent absolument pas, vous leur manquez, je pense. Ou bien je parle pour moi, mais on se cherche peut-être tout autant qu'eux. Et j'aimerais qu'on vous fasse aussi cet honneur, ou bien que vous puissiez être aussi dans nos universités et nos professeurs. C'est tout ce que j'avais à dire. Je pense qu'ils donneront mieux la réponse que moi, mais j'ai été étudiante à la Sorbonne et j'ai étudié la littérature antillaise enseignée par un vieux monsieur très quasi raciste, si j'ose dire. Et je pense qu'eux, ils vont mieux vous répondre, mais bien sûr qu'on a rêvé de les avoir comme profs, mais la France n'a jamais embauché des gens comme ça dans ces universités, c'est évident. Pourquoi ils sont partis? Je ne pense pas que c'est pour nous fuir, c'est plutôt que c'est jamais eux qu'on a trouvé dans ces postes. Et moi, il y a 25 ans, c'était quelqu'un d'ouvertement raciste, en plus.
Merci. Merci. Alors, mais je vous informe. Oui. Alain. Non, mais je pense que bon, il y a rien à dire. Vous savez, la pensée aussi est mobile. Et peut-être aussi que aujourd'hui, c'est, en ce qui me concerne, c'est l'Amérique qui a fait de moi que je devienne un professeur. Si j'étais en France, peut-être que je ne serais même pas professeur, puisque vu toutes les gymnastiques qu'il faut faire avant, qu'il faut attendre le doyen qui est là depuis 40 ans avec sa thématique, qui ne fait embaucher que les petits étudiants qui cirent ses pompes et qui le citent dans les articles en notes de bas de page. Donc il y a toute cette gymnastique. L'Amérique a tout compris. Je veux dire que nous, quand on était ici, on avait comme modèle, on entendait parler de Édouard Glissant qui était là-bas, Assia Djebar qui était là-bas, Maryse Condé qui était là-bas, Moudimbe qui était là-bas, Moudimbe qui est du Congo démocratique, comme vous connaissez. Et puis on entendait aussi les Achille Mbembe qui travaillaient de l'autre côté. Ça faisait rêver dans ce sens. Mais on était en France, on a fait des études en France, on a eu les diplômes qu'on a eus. Et bon, l'Amérique, c'est quand même l'endroit où lui, Philippe d'Alembert, il vient souvent enseigner en été aux États-Unis. C'est l'endroit où on mélange aussi la théorie à la pratique. On donne à l'art la possibilité de pouvoir exister à l'intérieur de l'université. Nous, on aurait bien voulu, hein, je veux dire qu'on peut rester ici, je l'ai fait, j'ai enseigné une année la chaire de création artistique en France, au Collège de France, qui est quand même pour la pensée française la sommité. Hein. Il y a des gens, comme on dit, qui tueraient leur papa, leur maman et toute la génération pour y aller. Mais je pense que je m'étais senti même plus utile, en ce qui me concerne, aussi bien pour l'Afrique, pour le Congo, pour les autres pays africains et même pour la langue française, mon importance était d'être à l'étranger parce qu'il y a des combats aussi qui se passent à l'extérieur qui grandissent le génie que nous avons ensemble en langue française. On n'est pas perdu parce que même si on est là-bas, vous avez vu, dès qu'il y a un débat, nous sommes là. Donc, il ne faut pas non plus dire que nous sommes dans une île. Maryse Condé était aux États-Unis, qu'on en entendait parler. Elle enseignait de temps en temps, elle nous lançait un grand roman à la rentrée, nous nous rions, on le lisait. Parfois, c'est très bien. Vous nous aimez aussi parce que vous savez qu'il faut vite les embrasser parce qu'ils vont retourner de l'autre côté. Si on est là tous les jours, on dit « Ah, je le verrai demain ». Donc, il faut toujours pareil. C'est-à-dire, quand on arrive, on sort un livre, pourquoi les journalistes se précipitent? Parce qu'il sait que s'il ne m'interviewe pas, je suis parti. Et que je suis capable d'aller parler en Angleterre. Parce que ce qu'on fait ici, ça se passe en Angleterre. On a l'Afrique. Moi, je vais dans les festivals organisés par la belle-fille de Wole Soyinka, du côté du Nigeria, je vais du côté du Zimbabwe. On fait l'Afrique aussi lusophone, hispanophone, anglophone. L'Afrique doit être globale. Et c'est quand je suis allé aux États-Unis que j'ai compris, finalement, que, bon, peut-être que nous pensions que toute la pensée était ici, mais non, il faut l'ouvrir. Ici, c'est une province de l'imaginaire en français parce qu'il y a plus de gens qui s'expriment et écrivent en français ailleurs qu'en France. Et ces gens ne bénéficient pas les mêmes moyens de communication et c'est à nous de ramener cela ici. Donc, c'est vrai qu'on se manque, mais loin des cœurs, comment on dit les amoureux ? Loin des yeux, près du cœur. Donc, on sera toujours là et on parlera toujours en notre nom et vôtre. Oui, et Louis-Philippe d'Alembert enseigne en ce moment en Allemagne, oui. Juste à côté, à Berlin. Ben, je voulais juste dire une petite chose par rapport à ça. D'abord, Alain est devenu très états-unien. Et il oublie de dire les États-Unis, de dire l'Amérique, parce qu'en oubliant que moi aussi, je suis l'Amérique. C'est Lanson News. C'est un poème, hein, tu sais. Oui, Lanson News. Voilà. donc, c'est sûr, c'est une évidence. Mais il y a quelque chose aussi qu'il ne faut pas oublier. C'est que, bon, déjà, tous ces gens-là, que ce soit Maryse, que ce soit Alain, que ce soit moi et d'autres, on a été formés en grande partie en France. Donc ça, c'est la première chose à dire. Et la deuxième chose, c'est les moyens
des universités. C'est-à-dire que ce qu'Alain a essayé d'expliquer tout à l'heure en parlant de l'État de Californie ou bien d'autres États, c'est-à-dire que les universités françaises dépendent d'une hiérarchie complètement verticale et qui est le ministère de l'Éducation nationale et qui a peu de moyens. C'est-à-dire que qui n'a pas ces moyens-là de faire venir, parce qu'Alain, au départ, on l'a choisi en tant qu'écrivain, pas parce qu'il avait une formation de littéraire. Il n'a pas une formation de littéraire, c'est un avocat. Donc, c'est pour ça qu'il parle si bien. Oh. Donc, c'est-à-dire que, et au départ, les universités états-uniennes ont plus de moyens. Donc, ce qui leur permet, justement, à un moment donné, de faire appel à des gens qui viennent d'un peu partout. Et puis, il y a cette chose aussi qu'on a dans les universités aux États-Unis, c'est cette espèce de transversalité qu'on n'a pas toujours dans les universités françaises. J'ai enseigné à l'université de Milwaukee, dans le Wisconsin, par exemple, à côté de Chicago, et je pouvais avoir des étudiants qui venaient de la pharmacie ou bien qui venaient d'autres domaines, mais qui, pendant un semestre, prenaient un cours de littérature de langue française, par exemple. Et ça, c'est malheureusement, les universités françaises n'ont pas les moyens financiers et n'ont pas non plus cette philosophie-là et de faire en sorte que en France on est très très étroit dans la vision de la chose, c'est-à-dire que on veut être avocat mais on sera qu'avocat, on ne sera rien d'autre de la littérature ou d'autres choses. Donc il y a aussi ce petit bémol à ajouter, quoi, je voudrais dire. Est-ce que je peux ajouter juste deux petites choses très rapidement? Je sais que s'il y a un motif d'espoir sur cette question-là, il faudrait peut-être le placer, cet espoir, dans l'extraordinaire capacité de la France à vouloir imiter les États-Unis en tout temps. Et je crois que si la France essaie d'imiter les États-Unis en ce sens-là, très bientôt on trouvera d'autres Alain Mabankou, d'autres Louis-Philippe d'Alembert, d'autres Marius Condé, qui viendront, qui seront là naturellement. Et le motif de désespoir, puisqu'il y en a toujours un, il s'est produit très récemment. C'est-à-dire que ces étudiants étrangers qui devaient faire leur formation ici et peut-être rester ici, de plus en plus vont partir puisqu'il leur faut payer près de 3 000 euros ou 4 000 euros pour pouvoir s'inscrire. Donc la France est dans ce double mouvement-là et je pense savoir dans quel sens ça va balancer. Je souhaite être un prophète très mauvais, mais malheureusement je pense que sur cette question-là, je peux être un devin très juste et penser que malheureusement, ça ne changera pas, en tout cas s'il n'y a pas une réaction des étudiants étrangers eux-mêmes. Et même Bougard, il faut ajouter, parce que c'est très dangereux, les mesures qu'on est en train de prendre sur les étudiants étrangers africains. Comment voulez-vous clamer protéger ou étendre la langue française et vous imposer à des gens qui ne peuvent pas payer même 500 euros de frais de scolarité? C'est beaucoup, 3000 euros. Qu'est-ce que ça veut dire? Les Américains ont lu. Ils ont compris ce qui se passe. Ils disent, mais c'est très bien, ils vont venir aux États-Unis. Parce que tous ceux-là, ils vont venir, c'est-à-dire que ça va être une formation d'un espace anglophone plus étendu et de la domination intellectuelle plus tard des États-Unis. Puisque aujourd'hui, si nous existons, c'est parce qu'on venait à l'époque où, en France, les inscriptions étaient libres. Moi, je suis arrivé, j'ai fait l'université de Nantes, puis Paris 12, puis Dauphine. On ne payait pas des sommes faramineuses. Mais si ceux-là ne peuvent plus venir et qu'ils vont maintenant dans d'autres pays, ça veut dire aussi que c'est le déclin presque de l'internationalisation du génie en français. Et ça, on ne le voit pas, on ne le comprend pas, que ça se passe dans un régime comme si celui qui est le nôtre ici, d'un président qui est censé être de l'ouverture et de la jeunesse dans l'enthousiasme. Ça m'a étonné, cette mesure-là. Et surtout que le Premier ministre, pour l'annoncer, a commencé son discours en citant pratiquement tous les premiers arguments, mon nom. Hein? Il a pris mon livre, le mot qu'on dit, ma banco, et à la fin, il y a l'addition. J'ai dit, attends. Les Africains croient que j'étais là à table, on dit oui, on va aller au Premier ministre. Mais non. Ça, c'est moi, j'ai écrit au ministre, j'ai dit à tout le monde, quand vous annoncez les mauvaises nouvelles, évitez quand même de m'associer à l'intérieur. Eh bien, je voudrais juste rajouter que longtemps, Hubert Haddad a donné des enseignements ici et là, et en France, et qui continue donc à faire un certain nombre de choses. Et justement, puisqu'ils sont loin, lisez leurs livres. Ils nous enseignent beaucoup de choses. Lisez les livres de tous ces écrivains qui sont là. Ils vont signer dans un moment. Et puis, heureusement, il y a quand même des professeurs. Romuald Fanquoi,
quand même. Il enseigne aussi aux États-Unis. Oui, d'accord. Mais, oui, mais chaque année, il fait les deux. Il est à la Sorbonne quand même. Et puis il y a d'autres quand même. Franchement, il y a de bons professeurs. Il y avait des gens racistes comme ça, mais l'université regorge de belles personnes aussi. Hein. Bien, mais je lisais leurs œuvres. J'espère que nous avons fait le tour. Nous avons eu un plateau magnifique avec ces belles personnes. Merci à notre... Merci à notre invité d'honneur, Maryse Condé, qui est venue avant de partir dans quelques jours recevoir son prix. Merci à Alain Mambankou, Louis-Philippe Lalambert, Hubert Haddad, Mohamed Bougarsar, merci à vous tous, merci aux organisateurs Hélène et Jeff et toute l'équipe, merci. Et merci à Yaya Belaskri qui a bien animé. Thank you.